Bon, ici je vais faire une seconde vidéo qui va concerner donc la tangente à l'ellipse par une deuxième méthode. La première étant, je veux dire, l'intersection de l'ellipse avec un faisceau de droite. Ici, il va en être de même, si ce n'est que je ne vais pas chercher la direction de la droite particulière par rapport au faisceau de droite général, mais par une technique d'intersection de l'ellipse avec le faisceau qui donnait un point M connu, bien sûr, parce que le point M étant connu, x1, y1, puisqu'il coupait l'ellipse au point x1, y1. Allez voir la vidéo, hein. Cette vidéo-ci, elle est faite concernant l'intersection de l'ellipse avec le faisceau de droite. Au point de passage x1, y1, c'est fait. Donc ici, je vais faire une deuxième technique, elle va trouver directement la direction sans faire tout un mishmash de calcul ou un mélange de... Enfin, un développement trop développé de calcul. Voilà, donc ici, je vais mettre l'équation de l'ellipse, c'est e est égal à x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Alors, je vous rappelle que a et b sont les sommets, hein. Voilà, et on peut retrouver toutes les caractéristiques, que ce soit le foyer, la directrice, et tralali, tralala, de l'ellipse en connaissant A et B. Et je vous rappelle que c'est une ellipse centrée à l'origine, hein, de centre O, et qui a un axe, deux axes de symétrie, qui est l'axe X et l'axe Y. Bon, l'ellipse est juste une droite, Y moins Y1, puisqu'il passe par le point M qui est X1, Y1, lambda, x moins x1, lambda étant un paramètre, donc il faut essayer de trouver le lambda pour fixer la droite particulière qui va être tangente à l'ellipse, parce que ça c'est un faisceau de droite, hein. Donc c'est un ensemble de droites qui fait ceci, et je vais essayer de bloquer la droite pour qu'elle ait une certaine direction. Pour ça, je vais utiliser, ici la deuxième méthode va utiliser les fonctions implicites, c'est-à-dire qu'ici je vais réécrire l'équation ici comme ceci, b carré x carré plus a carré y carré moins a carré b carré égale 0. Je mets tout au même dénominateur et je fais passer tout l'autre côté, hein, c'est juste ça. De telle manière à ce que j'ai une fonction implicite. Et là, en deux temps de mouvement, la vidéo va durer même pas très longtemps, puisque il suffit de dériver ça de manière implicite. Alors, je vous rappelle que la dérivée implicite, c'est dy sur dx est égal à moins la dérivée de c'est f de moins f de x sur f de y. C'est-à-dire la dérivée. Rappelez-vous que c'est les dérivées partielles de x par rapport à sa dérivée partielle par rapport à x. Et là, c'est la dérivée partielle par rapport à y. Bon. La fonction z, elle est vue comme f de x, y avec z égale 0. Donc ça reste une courbe, hein, puisque la hauteur vaut 0. La hauteur vaut 0, donc ça reste une courbe XY dessinée sur le plan OXY. Donc il n'y a pas d'hauteur, hein. C'est bien que j'ai marqué Z égale F de XY, le Z vaut 0, hein. Donc je suis sur le plan OXY. Bon, donc je dessine sur le plan OXY, donc sur l'axe OXY, donc j'aurai une courbe qui est l'ellipse. Bon, pour ceci, j'aurai l'ellipse, mais elle est vue là sous forme de fonction implicite. Et là, je peux dériver, hein. Je vais dériver ceci. D'abord par rapport à x, je vais chercher la dérivée par rapport à x et puis par rapport à y. Voilà. Puis je vais faire le rapport, et bien ne pas oublier le moins. C'est une formule des dérivées implicites. Voilà. Donc j'ai réécrit la formule. La dérivée de y par rapport à x vaut tout simplement la dérivée partielle par rapport à x divisée par la dérivée partielle par rapport à y et je mets un moins. Il suffit de mettre y, y, x, x. Il faut croiser. Juste croiser. Et sachez qu'il y a un moins, que là, c'est la dérivée tout court. Et là, c'est la dérivée partielle en x, dérivée partielle en y. Bon. Eh bien, on va s'atteler à ça, à calculer la dérivée partielle par rapport à x. Donc, je vais dériver par rapport à x cette expression-là. Donc, ça veut dire que je vais considérer le y comme constant. Donc ça veut dire ici, c'est comme si j'avais une constante. Bon, a carré, b carré sont déjà des constantes en soi. Donc si y est une constante, y carré est une constante, donc a carré, y carré, c'est une constante. Donc si je dérive tout ça par rapport à x, tout ceci, c'est un terme constant, ça fait 0. Donc il va rester ici, dérivé par rapport à x,
de b carré x carré, voilà, qui vaut bien sûr 0. Et là, on va dire que ça fait b carré est une constante, je sors du signe différentiel, dérivé, je m'excuse, dérivé partiel par rapport à x, x carré, et là, dérivé de x carré, ça fait 2x. Voilà, donc ce qui fait 2x, 2x, 2b carré x, ça fait 2b carré x. La dérivée partielle par rapport à x est 2b carré x. Voilà, chose que je vais écrire tout de suite. Hein. Bon, la dérivée par rapport à x, c'est moins, parce qu'il y a un moins ici, 2b carré x. Le tout. Et maintenant, j'ai dérivé par rapport à y. Vous voyez que ça prend deux temps de. Alors que l'autre calcul, l'autre vidéo, ça prenait longtemps. Hein. Là, je vais dériver par rapport à y. Donc là, cette fois-ci, c'est lui qui est constant et lui. Voilà, parce que a carré b carré, c'est déjà une constante. X étant considéré comme constant ici, puisque je dérive par rapport à y. Donc, il va rester dérivé partiel par rapport à y de a carré y carré. A carré, c'est une constante, il sort du signe différentiel. Il va rester y carré par rapport bien sûr à y. Ce qui fait 2y, 2y a carré. Ce qui fait 2a carré y. Voilà, donc ici, je vais écrire 2a carré y. Voilà, et bien sûr, n'oubliez pas, ne perdons pas de vue que dy sur dx est tout simplement la dérivée qui va me donner le coefficient angulaire en tout point de l'ellipse. Bon, maintenant, si je recherche le coefficient angulaire en x1, y1, le coefficient angulaire en x1, y1, mais il va me donner la même direction que la droite qui est tangente au point M1, X1, au point M de X1, Y1. Donc la tangente a la même direction que la direction de la tangente à l'ellipse au point M, au point X1, Y1. Donc en fait, ça veut dire que le lambda, il vaut ceci. Lambda vaut ceci. Lambda fixé, parce que c'est un faisceau de droite et il est fixé grâce à. En ayant trouvé le lambda. On a trouvé le lambda. Mais en quel point? Bien sûr, c'est au point x1, y1. Voilà, c'est au point x1, y1. Donc ce qui veut dire que ceci, c'est au point x1, y1. Voilà, parce que c'est. Vous avez la tangente à l'ellipse. L'ellipse, elle a, si vous voulez, toutes des directions. Et au point M, elle a une direction qui est la même que celle de la tangente, puisque je veux dire la dérivée, c'est la tangente en un point. Or, ceci, c'est une tangente qui est une droite qui va passer par le point M. Donc, fatalement, ils ont la même direction, que ce soit la droite là ou la dérivée au point M de l'ellipse. Ils ont la même direction, qui est la direction lambda. Et donc, je retrouve ça comme ça. Mais comme c'est au point x1, y1, ben, je calcule au point x1, y1. Et donc, tout ça va donner ceci. Bon, et je peux simplifier le 2. Voilà. Donc, voilà, je viens de trouver l'équation de la parabole, de la tangente qui vaut y1 moins b carré sur a carré x1, y1, x moins x1. Voilà, c'est l'équation de la tangente. L'équation de la tangente. Voilà, donc vous voyez que cette vidéo ici, contrairement à l'autre vidéo, ben, l'autre vidéo elle a été plus développée, donc il y a plus de calculs. Ici, en deux temps de mouvement, j'ai la réponse. Donc, quelle est la meilleure technique? Celle de la dérivée de fonctions implicites ou l'autre, avec le second degré. Second degré qui demande du développement. Ben, vous comprendrez que si vous manipulez, vous savez manipuler, comment on appelle ça, les dérivées partielles, c'est-à-dire les fonctions implicites, hein, les fonctions de, je demande pas de, ici on ne demande pas de calculer, savoir calculer des dérivées partielles, on demande juste de savoir utiliser la formule d'une fonction implicite, qui utilise bien sûr deux dérivées partielles assez simples. La dérivée partielle, c'est d'arriver par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à x, c'est de maintenir toutes les autres variables constantes, il y a plusieurs variables, et le x constant, x variable et toutes les autres variables constantes.
si je dérive partiellement par rapport à y, mais le y est variable et toutes les autres variables sont considérées comme constantes. Donc il est assez simple d'aller dériver, je veux dire une dérivée partielle. Et donc ici, c'est le rapport de deux dérivées partielles, mais c'est juste la dérivée partielle par rapport à x sur y, la dérivée par rapport à y. Mais sachant que on doit faire passer au point m, c'est-à-dire x1, y1. Donc fatalement, je dois remplacer par le point x1, y1, chose que j'ai fait ici. Donc on se retrouve en deux temps de mouvement avec une rapidité d'exécution qui n'a pas d'égal pour trouver les tangentes. La meilleure technique pour trouver les tangentes, c'est de calculer par les dérivées partielles parce qu'en fait, c'est un calcul très rapide. Bon, juste ici que je veux un petit peu m'amuser, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je vais retourner mettre au même ce que je n'avais pas fait dans l'autre vidéo parce que j'avais déclaré cette droite-là comme étant la tangente et ça me suffisait. Bon, maintenant, je vais la retransformer de manière où on peut discuter sur certains points. On peut la retransformer, pourquoi pas. Alors pour ça, il faut que je remette tout au même dénominateur. J'aurai y moins y1 fois a carré y1 est égal à moins b carré x1, x moins x1. Voilà. Je partais à partir de cette base-là. Donc a carré y1 est passé dans le membre de gauche. Là, je laisse voilà, le restant. Alors maintenant, je vais distribuer. Je vais distribuer ici pour écrire a carré y1 fois y moins a carré y1 au carré est égal à moins b carré x1 x moins b carré plus, moins par moins plus, b carré x1 carré. Alors, je fais tout repasser l'autre côté. Donc, ce qui veut dire que j'aurai égal 0. Celui-ci va devenir plus. Et celui-là, il va devenir moins. Alors, où sont les constantes? Les constantes sont là. Donc, je vais les rassembler. Donc, je vais écrire a carré y1. La variable est ici, y. Ben, je vais d'abord mettre la variable ici, x. Je vais mettre d'abord celui-ci. Comme ça, j'aurai du x et du y. Donc, ça va donner b carré x1, qui est constant, fois x, plus a carré y1. Bon, ça, c'est ce terme-ci, fois y. Et les deux autres sont des constantes que je vais additionner égale à 0, bien sûr. Et ces constantes, c'est a carré y1 carré plus b carré x1 carré. Je suis en train de contrôler si c'est bon. A carré y fois y1, ça c'est celui-ci. A moins, oui. A carré y1 au carré, oui. Celui-ci moins b carré x1 fois x, moins par moins plus, oui, plus b carré x1 x1 au carré. Ouais. Il passe de l'autre côté. Donc là, j'ai a carré y. Normalement, tout doit être bon. Normalement, ça serait bon. Ouais. C'est bien l'équation de droite en xy, parce qu'on a alpha x plus bêta y plus constante. Donc j'ai bien l'équation de droite. Donc c'est alpha x plus bêta y plus alpha plus bêta. Alpha plus bêta y plus gamma égale 0, c'est l'équation de droite. Donc j'ai bien une droite, j'ai bien le coefficient en x, b carré x1 plus
a carré y1 fois y. A carré y1 fois y, c'est celui-ci, plus b carré x1, x c'est bon, et celui-ci je vais essayer de faire quelque chose avec, parce qu'on sait bien que l'équation de l'ellipse c'est l'équation d'ellipse. Si on se rappelle l'équation de l'ellipse, c'est b carré x carré 1 plus a carré y carré 1 est égal à a carré b carré. Ouais. Ça veut dire que ce terme-ci vaut a carré b carré. Ce terme-ci vaut a carré b carré, c'est ce que je peux remplacer par a carré b carré. Voilà, donc ça va encore me simplifier la tâche. Et voilà. Donc j'ai a carré b carré. Voilà ma tangente. Donc quelqu'un qui retient ça par cœur, bon, cette équation de la tangente, ben, c'est l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, c'est ceci. B carré x1 x plus a carré y1 y moins a carré b carré. Bon, est-ce que je peux encore aller plus loin? Je vais voir. Je sais pas. Regarde, après ça, il ne faut pas que je fasse ceci, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Bon, tout d'abord, je peux écrire que ça fait b carré x1. Fois x plus a carré y1 fois y est égal à a carré b carré. Voilà, je fais passer le a carré, le b carré ici. Bon, si je divise par a carré b carré dans chaque membre, je vais me retrouver avec, voilà, je vais diviser par a carré b carré, par a carré b carré et par a carré b carré. Voilà. Bon, alors ici, les b carrés vont tomber. Il va rester x1 fois x sur a carré. Bon, je rappelle que x étant la variable. Hein, plus a carré ici va tomber, il va rester y1 sur b carré fois y1 sur b carré fois y étant la variable, et il va rester 1. Voilà, j'ai encore simplifié l'équation de la tangente pour la retenir par cœur, s'il vous plaît. Alors maintenant, si je fais une analogie avec l'équation de l'ellipse, j'ai x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Donc l'équation de la tangente est très simple à retrouver par rapport à ça. Parce qu'il suffit de dédoubler le x en faisant x fois x1 et y fois y1. Voilà, ici vous aurez x fois x1. On a x fois x1 sur a carré plus y fois y1, le tout sur b carré. Donc c'est presque l'équation, la tangente est presque l'équation de l'ellipse. Presque. L'équation de la tangente est presque l'équation de l'ellipse. Parce qu'ici on a x carré, là x fois x1, y carré, y fois y1. Attention que ceci c'est une droite. Hein. La tangente est une droite et l'ellipse, bon, c'est une conique. On peut dire aussi que la tangente est une conique, parce que quand on regarde bien un cône, ben je peux faire ressortir une génératrice du cône. Donc je peux dire aussi que la droite est une conique, parce que ça provient aussi d'un cône. On n'a peut-être pas coupé par rapport à un plan, mais on a vu, c'est une droite génératrice. Voilà, bon, on peut la faire ressortir d'un cône, pourquoi pas.
Donc ici, c'est l'équation d'une droite, et là, c'est l'équation de l'ellipse. Donc vous voyez qu'il est assez simple de retrouver la tangente à l'ellipse. Assez simple. Voilà, je vous remercie.